Bon, on a déjà fini avec Atlanta. Dame s'y mange la pizza que je me suis commandée hier. Voilà, on a rassemblé toutes les poubelles, il faut les sortir. Il est 11h. Programme d'aujourd'hui, on va aller à la laverie pour laver les fringues. Et il faut qu'on essaye de faire le truc de Coca-Cola aussi, mais l'avion il est à 21h. Donc on va voir ce qu'on fait. Pour l'instant, on est sur un départ direction laverie. Descendu à côté d'un truc, on sait pas c'est quoi, sûrement une prison. Et le bus est parti et ça doit être là. Ah, push start. Start. Et start. Hihi, let's go. C'est parti. Le bonheur. Et moi du coup, en attendant, je vais faire un tour à la station essence juste là pour essayer de trouver un truc à manger. Alors du coup, je suis partie à la station essence à côté et j'ai pris un granité à 2 balles, wild cherry. Et j'ai pris d'autres trucs parce que j'avais trop la dalle et c'est bon. Maman elle m'a dit de prendre ça. Donc toasted coconut, j'espère que c'est bon. Et j'ai pris un cinnamon roll et une banane. J'avais pas de prise en face des machines et ça va parfaitement. C'est la taille parfaite. C'est pas. Maintenant faut tout ranger. Oh. C'est la galère des valises. Bah ouais, c'est bien chiant. En plus ça craque même. Quel enfant. Alors, là on attend le bus, enfin j'attends le bus, Damien il est parti chercher de l'eau là-bas. On va prendre direction le truc Coca-Cola, là, le World of Coca-Cola, parce qu'on voulait quand même le voir avant de partir. Et l'avion il est ce soir à 21h, donc on a le temps. Je pense qu'on va faire World of Coca-Cola, on va manger et après on rentre. Enfin, après on va aller, on rentre. Donc je suis sûre que Damien il va réussir à arriver à temps encore, il va se 2 minutes avant que le bus il arrive. Il va courir encore. Ah, je vois un bus là-bas. Ça va, c'est un bus scolaire. Je me demande vraiment ce que c'est ça. Je vais regarder sur internet. C'est ça, c'est le centre pénitentiaire. Et le bâtiment devant il est beau, mais je me suis un peu douté avec le barbelé là-bas. Là, quand même. Les criminels là. La galère avec toutes les valises. Qu'est-ce que tu dis? Donc le truc Coca, il est juste à côté de l'aquarium. J'espère qu'on va pouvoir rentrer avec la grosse valise. Oh, ils vont rien dire. Hihi. C'est good, on y va. Thank you. J'ai un moyen de tout mettre. Normalement, je suis good. Oh, why do people from other states? We're so glad to have you. By chance, is there anyone visiting from out of the country? Bon, on laisse les valises là. J'espère que personne ne va les cambrioler. De Coca. There is a secret.
Ah, on est sur leur photo. Hihi, on cherche le secret du coca. C'est l'impression de créer plein de boissons, mais il n'y a que Coca qui a réussi à percer. T'as vu, Dams, normalement tu peux créer ton coca, c'est dommage. Je vais en mettre sweet, spicy. Et après, can you create the perfect balance? Bon, top. C'est écrit qu'au début, la première année, il a vendu pour $50 de coca. Et en fait, il a dépensé $75. Il était perdu. 9 boissons par jour au début. Là, il y a un écran géant. Ah, c'est mon chapeau. C'est Pemberton qui a créé le coca. De ce que j'ai compris. Là, ils disent que c'est la pharmacie Jacob qui a servi le premier verre de Coca-Cola. Le 8 mai 1896 dans une pharmacie. Après, il y a un mec qui s'appelle Candler qui a trouvé ça trop bon et qui a acheté le secret du coca et tout. Enfin, il a tout acheté, il a acheté la marque et les droits et tout. Il a payé $2300. Genre là, ils disent qu'en gros, le sirop il était dans des barils comme ça rouges. Et en fait, là ils disent que c'est genre il y avait que lui qui connaissait la recette. Enfin, il l'a dit à personne en gros. C'est lui qui commandait tous les ingrédients et tout. Et il avait qu'une seule clé qui ouvrait le truc pour la recette. Un peu comme ils disent qu'à Atlanta ils l'ont élu en tant que maire. Le mec là, ah non, c'est qui? Azagrit. Ah si, le mec là qui a acheté là la formule, ils l'ont élu en tant que maire à Atlanta. Ok. Côté, ils disent bien sûr qu'il y a des gens qui ont essayé de les copier en faisant des trucs moins chers et tout, ça a pas marché. Ils disent c'est que là c'était la période sûrement où il n'y avait pas encore des bouteilles comme ça pour les sodas. Et du coup, ben en fait, Coca ça a révolutionné le truc parce que maintenant les gens ils pouvaient avoir une bouteille de Coca-Cola et ils n'étaient pas obligés de s'asseoir au bar pour boire le soda. Ils pouvaient juste la prendre et boire où ils voulaient, quand ils voulaient. Donc là ils disent que en fait à l'ancienne genre il y avait des bars de soda et tout et qu'en fait c'était un moyen de retrouver ses potes. Et ils donnent l'adresse d'un bar où il y avait beaucoup de coca qui était vendu au tout début. Voilà, bonjour monsieur. Et lui il fait la tambouille. Il a pas vécu assez de temps pour connaître le succès, Pemberton, celui qui a créé le coca. Il a vendu la compagnie en 1888 et après il est décédé pas longtemps après. Ouais, c'est avant chaque état ils avaient leur bouteille différente. Ah ouais? Jusqu'à ce qu'en 1916 ils mettent une seule bouteille. Et c'est fini, c'est bon. C'est vraiment Florida! Là ils disent qu'en fait avant c'était écrit sous les bouteilles d'où elle venait. Et du coup ils faisaient un jeu comme nous quand on était à la cantine là avec les l'âge sous les verres. Et en mode celui qui avait la bouteille qui venait le plus loin il gagnait et celui qui avait la bouteille qui venait le plus près il devait payer sa tournée. Je sais pas si on voit trop. Il y en avait une qui venait de Nouvelle-Orléans là. New Orleans. Là on est en France, ouais. Arrêtez-vous, buvez Coca-Cola en fait. Ouais, ça a commencé à s'extendre à l'international en 1906. Cuba, Canada, Panama. Mais non, je pense. Là ils disent que depuis Coca, genre c'est eux les partenaires et tout pour les pins. Ouais, pour les pins des Jeux Olympiques. Et lui, je le connais, je l'ai déjà vu quelque part, lui. Mais je sais plus où. Mais je l'ai déjà vu, lui. Petite madame, on va être sur ma vidéo. Ah, je trouve ça incroyable comment il bouge. Et wesh, qu'est-ce qu'il fait ?
Père Noël et Coca-Cola. Petite pause au cinéma pour regarder ce film dans des petits sièges en 4D. Sympa. Sympa. Là, on va mettre notre gros nez pour sentir des trucs là. Raspberry. En fait, c'est grave dur. Genre, il faut sentir ça. Genre, tu cherches un truc fruit, citrus. Et après, je dois deviner c'est quoi. Mais je sais pas, wesh. Du lemon. C'est l'orange. Génial. La meilleure partie. Oui. Faut essayer les coca. Et on a plus que 15 minutes. Donc, il faut se dépêcher. Vite, tout dans ma bouche. J'ai mis ma valise là. C'est parti, on va tout goûter. Le. Ça. Bim Romagna, bim c'est... bim bim ouais, scoot Romagna scoot. Ah, c'est marrant. Bon, ok. Du Sprite de Roumanie au concombre. Je goûte. I don't know, I enjoy your time at the world of Coca-Cola. Ça, North America, je sais pas ce que c'est, je vais à côté, on va rester. On a plus de temps. Ah, c'est vraiment pas bon celui-là. Là, je teste ça. Bon, deuxième partie. Ça. Ça, c'est ma boisson préférée de tous les temps, ça. J'ai déjà goûté ça, j'adore ça. Je m'en remplis un verre. Ah merde. Je m'en remplis un verre entier. C'est un truc qui vient d'India, ça s'appelle Tam Tam. Okay. Ah, ça pique de ouf. Ah, il y a beaucoup de bulles. Le Fanta Pineapple, j'ai déjà goûté ça. Ça vient de Grèce. Fanta la Colita, mon truc préféré. Et le Fanta à la fraise, ça part. C'est bon. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est sympa. Ça, c'est vient de Chine, c'est sour plum. Je sais pas ce que c'est. Oh, this one is really not good. Yes, thank you. Il m'a dit ceux-là ils sont rares. Ah, j'écoutais. Ah, I'm scared. Bah non, j'ai pas essayé encore. Lui, il est bon, par contre, il est trop bon. J'allais manger ça. I ate. No, I ate when, you know, this flavor. Which one is the worst one? This one? What about this one? Why it tastes over there? Is this one good? It doesn't look good. No, this one is good. This one is what? Very good. Great one? Does this is that? It's not bad. Yeah, but it's not good either. Ah, ils sont assez, ils s'aiment pas quand c'est. Ah ouais, c'est dégueulasse. Comme ça, bien là. Ah, mais c'est dégueulasse. Ça, c'est trop bon, c'est au litchi. Ça vient de Corée. Apple Kiwi Fanta, let's go, ça part. Ça, bonbon anglais, ça part, Madagascar. Fini, au tarmon, ça part. Ah, j'en veux plus. Aqualibré, ça part.
tu me fais un petit verre de pomme kiwi pour finir et c'est good. Là-bas, c'est le même truc qu'au Five Guys et tout. Genre toutes les boissons que je teste tout le temps. Amel, il y a plein de verres Coca-Cola pour toi. Et bon, c'est du verre, donc je vais éviter d'en ramener, je pense. Désolée. Tu les auras vus au moins. Ok, donc c'est la fin d'Atlanta. On a nos valises, on va direction le métro. Normalement, c'est direct et après, on prend la vie. On est arrivé à l'aéroport. Non, parce que lui, il faut ajouter les bagues ici du coup. Et du coup, je mets un bague. Un bague. No people. Ok. Du coup, on est prêt à manger. Miam miam. Bon, Damien est parti aux toilettes. Voilà. On va au T3. Il est grave propre. Il est lumineux et tout. Les sièges, ça a l'air trop bien. Il est trop fort comme ça là. Merci. Du coup là, on va prendre un lift. Enfin, un ami, il l'a pris déjà. Parce que moi, de toute façon, je voulais pas prendre le bus parce que c'était 1h15 de transport alors que en voiture c'était 15 minutes. Et de toute façon, là Damien a regardé, le prochain bus il est à 6h du mat, il est 11h. Enfin, même pas 10h. Donc là on l'attend. Il arrive dans 30 minutes? Sérieux? Je me disais bien que c'était bizarre. Il arrive dans combien de temps? Yes! Petit bureau calme, petit bonbon, petit truc. Belle voiture, bien accueillie. Petite instruction. On arrive avec le mec, il nous dépose le verre, il dit ah mais vous restez là? On dit bah ouais. Il dit vous venez d'où? On dit bah on vient de France. Il dit ah. J'ai dit pourquoi? Il dit ah bah ouais, ici c'est un peu le hood, c'est un peu la rue. Bon, j'ai dit c'est dangereux. Il dit ouais, c'est la rue. Bon, on reste deux nuits. Oh putain, cette maison elle est déserte en plus. Moi j'ai pas peur, je viens de créer en fait. On est arrivé dans le Airbnb. La dame elle nous a ouvert. Et en fait on est chez les gens. Mais moi j'ai envie d'aller faire pipi. Ça c'est notre chambre. Mais du coup si on a envie de faire pipi, il faut qu'on aille je sais pas où. C'est plus dégueu, je sais pas. Ouais. Bon bah voilà, la petite madame elle a l'air gentille. Il y a une douche en bas. Je pense que c'est une douche partagée parce qu'il y avait leur brosse à dents et tout. Donc bon, on verra bien, de toute façon on reste que deux nuits, donc ça va le faire. Et voilà, trop de dormir. À demain.